super belle journée aujourd'hui. Regardez-moi ça, le lac Atitlan. Wow! Vraiment, là, on est chanceux. Il a mouillé un petit peu cette semaine, mais ce matin, presque pas de nuages. Super belle journée. Puis là, justement, on s'en va en ville. Notre mission, c'est d'aller se trouver un water taxi pour aller visiter, en fait, les autres villes qui sont autour du lac. Donc ça, c'est première chose. Puis là, on s'est créé un petit besoin. En fait, quand il pleut, souvent, on rentre avec nos souliers puis on vient un petit peu saler l'intérieur du bus. Fait qu'on va essayer de se trouver un petit tapis qui est fait à la main. Ça va aussi nous faire un souvenir du Guatemala. Fait que je vais prendre en note les mesures maximum de notre carré ici. Puis dépendamment des tapis qu'il y a là-bas, ben, on va déterminer qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin? Besoin. Mais oui, ça va être plus agréable. Ça va être comme une maison. Fait que dans le fond, c'est la section ici. On veut un petit tapis. Comme ça, quand on rentre, on peut mettre nos souliers. Parce que souvent, dans les marches, c'est plein. T'sais, on voit déjà les bottes à marilou, mes gogoons. Fait qu'ici, on aurait un petit peu plus d'espace. Puis c'est ça, ça fait que c'est propre. Moi, ma question, c'est tu veux-tu que le tapis y aille jusque où les bols allaient, non? Ben, je pense, prends les mesures, puis moi, je pense que ça serait mieux que ça arrête au coin ici. Mais, ok, un mini tapis. Ouais, ben sinon, prends les mesures, puis on va voir. Ça, ça pourrait être un bon size aussi. Ouais, mais c'est comme 30 par presque 30. Bon. J'ai 29 et 3 quarts. Mission accomplie! On a trouvé notre tapis qui est un peu dans les mêmes teintes de terracotta qui va bien aller avec notre literie dans l'autobus. Donc utile et un souvenir en même temps. Donc on a finalement trouvé le ferry pour se rendre à San Pedro. Il y a à peu près une heure d'attente, donc on va être patient. Donc on prend le ferry, on veut se rendre à San Pedro en premier. Puis il y a San Juan qui est tout près de San Pedro, on va pouvoir y aller en tuk-tuk. Puis le plan c'est de repartir de San Juan pour revenir ici. Là ce qu'on vient d'apprendre c'est que le dernier ferry est à 4 heures. Donc c'est quand même tôt, fait qu'il va falloir visiter assez vite. C'est pas grave, c'est des petites villes. Ouais, finalement, ça a pris peut-être une vingtaine de minutes avant qu'on puisse embarquer, donc vraiment moins long qu'on pensait. Puis on a pu payer pour un aller-retour pour économiser 20 quetzals. Pour le chien, ça ne coûte rien. Puis le plan va fonctionner. On peut là s'en aller à San Pedro, prendre un tuk-tuk de San Juan, puis prendre un bateau de San Juan à San Rafael. Puis finalement, le dernier bateau à San Juan est à 5 heures. Donc ça nous laisse une heure de plus. Cadeau. On est bien contents. On vient d'arriver à San Pedro La Laguna. La vue est malade, là. Regardez ça en arrière, l'eau. On a trouvé une petite place en fait pour boire une petite bière, mais pas n'importe quelle bière. On a découvert ici au Guatemala la brewery El Zapote qui est vraiment bonne. Puis on a marché, en fait, on a quand même eu de la misère à trouver une place qui avait de la brewery. Sur la rue principale, je dirais, il y a plein de restaurants, plein d'hôtels avec une vue sur le lac Atitlan. Les restaurants ont l'air super bons, de la bouffe vegan avec des hummus, plein de choses intéressantes. Mais la bière de microbrasserie, on l'a seulement trouvée ici, au bord qu'on est. Fait qu'on déguste ça, santé!
trouve présentement à San Juan de Laguna. Donc hier, on a manqué de temps pour venir ici, c'était dans nos plans. Super content aujourd'hui, on est arrivé, on a pris le temps d'aller visiter la petite ville qui est vraiment très colorée, beaucoup d'artisans. Et là, présentement, on se trouve en fait dans le... Je vais vous mettre le nom, j'ai oublié le nom. Mais on va venir en fait déguster le miel des abeilles Maya. Donc on va commencer un tour bientôt, puis on a bien hâte de goûter à ça. Donc, une des choses qui nous interpellait ici à San Juan, on s'était fait parler d'un tour, excusez, j'ai comme l'anglais, l'espagnol et le français en même temps, un tour où on peut visiter des abeilles Maya. Donc, c'est à peu près 25 minutes, ça a coûté 25 quetzals, on a pu goûter à 10 sortes de miel, mais surtout, on a pu faire le tour de chacune des ruches, chacun des types d'abeilles. En fait, il y a deux types d'abeilles, les abeilles européennes, les abeilles Maya, mais... À l'intérieur des abeilles Maya, il y a plusieurs familles, puis ils ont chacune de ces familles-là sa façon de fonctionner, de construire leur ruche. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir voir chacune des exemples, de goûter en plus après. On a même eu la chance de goûter du miel qui a été fait avec du vin qui a été fait avec du miel qui a été conservé pendant 3 ans en cave. Mais ce qui est drôle, c'est que la cave, c'est réellement la cave. Donc, c'est vraiment dans le sol. Super intéressant. Si jamais vous passez par San Juan, venez définitivement faire ce tour-là. C'est juste 25 minutes. Puis c'est dehors, c'est fun, on goûte à des choses très intéressantes. Fait qu'Elena a vraiment hâte qu'on parte en randonnée. Ouais. En fait, ce matin, on s'est levé très tôt. Il est 6h20. On s'apprête à aller faire le volcan San Pedro, qui, je crois, est celui-là. Ici. Oh, c'est difficile à l'inverse. Lui. Oui. Donc, en fait, ça va être une pratique pour nous parce qu'on va aller faire le volcan Acatenango tout près de Antigua. Fait qu'on avait envie, en fait, de se dégourdir les jambes un peu. Ça fait très longtemps qu'on a fait des randonnées. Puis Marie-Lou a trouvé ici qu'on pouvait aller faire l'ascension du volcan San Pedro, qui est une ascension très abrupte. Fait que ça va être une bonne pratique. Puis Lena aussi, c'est sa première fois, en fait, en grosse randonnée. Ouais. Mais aussi première fois... En altitude, aussi. C'est ça, c'est quelque chose qu'on voulait pratiquer vu qu'à Catenango, on va avoir de l'altitude. Fait qu'on est bien excités. Il n'y a aucun nuage ce matin. C'est ça va être la journée parfaite parce que dans le fond, de ce qu'on a lu, il faut partir tôt parce que sinon les nuages se couvrent, surtout dans la saison des pluies qu'on a en ce moment. Puis on peut pas voir le lac, mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment misé sur une bonne journée. Puis on risque de pouvoir voir le lac dans où la vue va être folle. Fait qu'on est bien excités! Yes. Ça va être fou! Fait que là, on s'en va prendre le water taxi vers la ville de San Juan, qu'on est déjà allé visiter, qu'on est allé voir... San Pedro, ouais. Ben oui, c'est le volcan San Pedro, qu'on a déjà visité, on est allé prendre une bière et tout là-bas. Mais là, c'est le fun parce qu'on connaît déjà la Bastrangue. Ouais. On sait c'est quoi le water taxi, on s'inquiète pas trop avec ça, fait qu'on va vraiment pouvoir profiter de notre journée à partir de maintenant! Maintenant! Yes! Fait qu'on vient d'arriver, il faut s'enregistrer, puis payer les frais d'entrée, c'est 100 quetzals par personne. Donc en canadien, ça fait environ 17 $ canadiens par personne. Puis c'est un parc écologique, fait que j'imagine qu'il y a des installations puis qu'ils en prennent soin. Donc c'est pour ça qu'on paye. En fait, on a décidé de prendre un tuk-tuk à partir du ferry quand on est arrivé à San Pedro parce que c'est 2,7 km dans la ville pour se rendre ici au point de départ. Puis honnêtement, ça vaut la peine. 2,7 km, on a encore une bonne distance à faire avec beaucoup de montées. Donc, on a fait ça, on est arrivé. Et ici, la personne qui était à l'accueil nous a dit que ça prenait à peu près 3 heures faire la montée, 2 heures faire la descente. Fait que je pense qu'on va être correct, il fait super beau, le ciel est bleu et bleu. Puis c'est ça l'important, dans le fond, notre crainte de pourquoi on est parti tôt, c'était justement pour pouvoir s'assurer que la visibilité soit bonne. Donc, à date, tout est good.
On est parti, on était à 1800 mètres d'altitude, puis déjà on a une belle vue. Donc ça peut juste continuer comme ça, puis aller mieux. Mais ça monte. On vient d'atteindre à peu près 2170 mètres d'altitude. On est au premier point, au premier stop, qui est un mirador. On avait vu en ligne justement qu'il y avait cet arrêt-là. Puis aujourd'hui, on est super chanceux parce que le ciel il est bleu, donc il n'y a aucun nuage. Mais on s'était dit que s'il y avait trop de nuages, on aurait tout simplement arrêté ici pour voir la vue. Mais là, on est chanceux, ça va bien, on a un bon pace. En fait, notre pace est correct. On a fait 1,7 km sur à peu près 6,5. Mais là, c'est en 54 minutes, fait qu'il y a à peu près 30 minutes du kilomètre. Mais c'est sûr qu'on arrête pour se filmer, on arrête de prendre de l'eau, des petites pauses. Léna aussi qui a besoin de s'abreuver. Mais je pensais qu'on était moins en forme, fait que je suis content, surtout pour Aketenango qui s'en vient dans les prochaines semaines. Fait qu'on garde ça. Ça monte depuis tantôt, on n'a eu aucun arrêt pour marcher sur du plat. Fait qu'on y va un peu à la fois, puis ça va bien. Donc, vraiment bizarre. Au mirador où on s'est arrêté, il y avait deux policiers armés. Quand on s'est apprêté à monter, à continuer la montée vers le sommet, ils nous ont arrêtés pour nous avertir qu'il y avait des banditos en haut avec des machettes, puis qu'ils allaient voler nos sacs, nos téléphones, l'argent, tout ça. On avait déjà entendu parler de ces histoires-là. Ce qu'on trouve bizarre, c'est qu'il y a des policiers juste là, mais qui font rien pour changer ça. Mais on a choisi quand même de continuer à monter parce qu'il y a nos amis qui ont fait la montée avant-hier, cette semaine. Tout a bien été. On sait aussi qu'il y a trois touristes en haut avec un guide. Puis on a croisé un Français qui montait en mode trail. Lui, il court, fait que son pace est plus grand et plus vite que nous. Fait que c'est notre appât. Si Robin redescend et qu'il est en vie, ça veut dire que nous, on va pouvoir monter et qu'il n'y a pas de danger en haut. Fait qu'on a bien hâte de voir Robin redescendre. Oh my god, c'est pas facile. Au début, j'ai dit au mirador que finalement on était quand même en shape, mais là je commence à trouver ça dur. On est rendu à 3,3 km. La bonne nouvelle, c'est qu'on a croisé quelques voyageurs, même un guide, puis on leur a demandé pour la sécurité. Qui descendait, ouais. Puis on leur a demandé pour la sécurité, puis on dit non, c'est cool, la vue est vraiment incroyable. Puis on a aussi demandé à des gens la question qu'il faut jamais demander. Est-ce qu'on arrive bientôt? Hein, t'sais, est-ce qu'on a fait la moitié, plus que la moitié? Puis ils nous ont dit qu'on avait fait plus que la moitié. Fait que finalement, c'est peut-être un peu moins que 6,5 comme on avait dit. Tant mieux, honnêtement. Parce que c'est... Ça monte. Il n'y a jamais de plateau. Tu peux jamais dire, OK, après la montée, je prends un break. Mm-hmm. Comme si tu te mets pas toi-même tes breaks, il n'y en aura pas, là. Fait qu'il faut vraiment s'écouter, surtout qu'on monte en altitude rapidement. Moi, je dirais la première moitié, le challenge était surtout cardio, parce que là, tu n'étais pas réchauffé et tout, puis c'était le matin. Puis là, on est un petit peu plus qu'à la moitié, puis je pense que le défi commence à être dans l'endurance des jambes, là. Chaque montée. On sent la fatigue. Un peu le cardio, moi, j'ai pogné un petit mal de cœur tantôt, mais ce matin, je filais pas trop bien. On a même failli annuler la sortie. On est allé au resto hier, puis ce matin, j'ai eu un petit va-vite, mais ça va bien maintenant. Mais je pense que ça joue sur mon niveau d'énergie, honnêtement. C'est sûr, là. Mais bref. Fait que on continue. Léna, honnêtement, on pensait à un certain moment, elle était comme fatiguée. Puis là, on dirait qu'elle a eu son deuxième souffle. Ouais. Et elle nous attend. Let's go. Regarde, elle est prête. c'est parti, on n'a pas le choix. Elle veut continuer. Fait que. T'as-tu chaud un peu? Ouais, pourquoi?
Tu fumes. Genre... C'est plus frais en haut. On le sent. Attends, j'ai essayé de voir ta fumée. Il n'y en voit pas tant sur la caméra. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on est parti à 1800 mètres d'altitude. On est rendu à 2800. Ça veut dire qu'on a monté, on a fait une ascension déjà de 1000 mètres. Ça veut dire qu'il reste pas beaucoup avant le sommet, puis avant la récompense avec la vue. Ça donne une petite motivation, ça. C'est bon, ça. C'est tellement vaste! Comme ça fait 2 semaines qu'on est à notre campground, puis qu'on a la vue sur le lac. Mais là, d'avoir un autre point de vue, puis d'avoir l'immensité du lac, puis on voit bien tout ici, les villes autour, avec le soleil qui nous réchauffe, wow! Oh wow! C'est parfait! Ah! Oh, on n'a pas amené de petite bière, hein? Non. Oh, ça aurait été parfait encore plus! Je suis tellement reconnaissant de pouvoir vivre ça, là. C'est tellement beau! T'sais, on a travaillé fort pour obtenir ça, là. On l'a pas volé à personne, mais c'est hot. Je suis vraiment content qu'on ait fait ce choix-là, puis de pouvoir voyager comme ça. Puis à date, le Guatemala, pour vrai, je le redis, là, mais c'est tellement un beau pays. T'sais, le lac Atitlan, c'est malade. Là. On a fait un hike de... On est à quoi? 3000? Finalement, c'était 3020 mètres d'altitude. C'était challengeant, la vue est belle, la récompense au sommet. C'est fou. Puis de voir le lac comme ça, t'sais, on a passé... plusieurs semaines en bas. Le lac est pas rond, donc de le voir différemment, c'est vraiment le fun. Ça vaut la peine. On dirait que j'ai déjà oublié que j'ai mal aux jambes. Ça donne le goût de rester sur les roches chaudes, là, puis s'étendre au soleil, puis se faire bronzer, sauf qu'on a quand même une bonne descente qui nous attend. Fait que moi, je pense que pour la descente, je vais sortir les bâtons de marche pour économiser un peu mes genoux. Fait que c'est pas fini, hein, même si on est au sommet. On vient de terminer le hike, ouais! Ça a pris monter-descendre 9,32 km. Donc dans le fond, on vous a dit plein de niaiseries pendant la randonnée aujourd'hui. On a dit plein de chiffres, on ne savait plus. On avait cherché en ligne, puis en fait le 12 km-ish, c'était en partant de la ville de San Pedro. Donc nous, vu qu'on a triché puis qu'on a pris le tuk-tuk pour s'en revenir, ça nous a donné un 9,32. Ça a pris un 5h19 total aller et revenir. C'est sûr que là, on filme, on s'arrête, on a mangé aussi. Donc c'était plus long. Mais c'était vraiment une belle expérience. Si j'avais 5 conseils à vous donner, en fait, le premier, ben, je vous recommanderais d'arriver tôt parce que, en fait, ben, si c'est une journée qui est nuageuse, vous allez peut-être être capable de pouvoir voir le lac Atitlan avant que les nuages montent trop. Parce que durant la saison des pluies, ce qui arrive, c'est que souvent en après-midi, il mouille. Aujourd'hui, on est chanceux. Super belle journée. Conseil numéro 2, je vous conseillerais d'avoir des bons souliers. Nous, on avait nos bottes de rando, puis Marie-Lou a tombé 3 fois. Elle aussi t'a tombé! J'ai tombé aussi 1 fois, mais l'autre conseil que j'allais vous donner par rapport aussi au fait de tomber, c'est d'avoir vos bâtons de marche. Si vous en avez, amenez-les. Moi, personnellement, je les ai mis de A à Z. Je me dis, j'ai les, pourquoi pas les utiliser. Ça m'aide beaucoup pour monter, mais aussi pour descendre. Et l'autre chose, ben en fait, 4e conseil, je vous dirais, amenez beaucoup d'eau, peut-être des collations, parce que c'est un hike qui est très exigeant. Puis le 5e, ben sans être quétaine, mais ayez du plaisir. C'est ça, c'est tout. Voilà. OK. Bye!